la carte permet juste de débarquer. Il va maintenant chercher à voir si la carte ici est reconnue. Une fois la carte est reconnue, où est-ce que vous badiez? Là, ici, là, le lecteur. S'il est reconnu, et donc si ce qui se passe, ça s'allume. Il y a une batterie, il y a un système que j'ai aussi, c'est tout un choix qui est là, qui est programmé. Il y a une petite pièce microcontrôleur, c'est lui qui gère l'ensemble du système. Une fois qu'il reçoit les inscriptions, il va dire à la partie ici, fais ce que tu veux. S'il lui dit, j'ai besoin que tu déplaces la boîte. La partie conduite, il y a la lettre qui s'agit. Oui, mais qui décide de ça? Qui dit, la partie puissance est de ce côté. Il commande, il l'a. C'est genre de cette carte. Ah, ok. Ça, je le conseille. C'est vous qui avez construit cette carte? Mais je n'ai pas impliqué ici. Donc ici, ça peut pas démarrer. Ça démarre, ça conduit. Ici? Oui, ça. Ça marche correctement. Non, il a fait communiquer à l'intérieur du privé ici. Ah oui, ça doit. Mais c'est le problème reste toujours le même. Le problème reste toujours. Il faut soigner un peu l'esthétique. Parce que si moi je dois conduire ça. Quelqu'un peut vous conduire? Je suis sûr que je vais faire un accident. Même en se mettant à côté, il faut que ce soit quelqu'un de petite taille. Attention. Okay. Ici, ça va. Ici, il y a assez d'espace. Ça va. C'est vous qui avez conduit ça? Oui, je ne suis pas celle parce que je suis ingénieur en électronique appliquée. Okay. Je suis d'abord une petite entreprise que je gère et j'avais l'idée de construire cette voiture. Je dis celle, je ne sais pas. Et vous avez cherché des partenaires avec qui vous? Non, mais je cherchais que des collègues. Et maintenant, vous avez créé une société? Oui, j'ai créé une petite société. Avec les collègues? C'est ma société. Oui, avec eux. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? En tout cas, j'ai besoin de produire en masse ces genres de voitures qui va commercialiser, qui va être commercialisé. Oui, mais la technologie, oui. Mais maintenant, le design aussi, vous devez l'améliorer. Parce qu'il faut des ceintures de sécurité, par exemple, il faut des portes. Il faut se recouvrir en cas de pluie. C'est un prototype, mais c'est le président. C'est un prototype, je comprends. Mais comment est-ce que vous avez déjà des études? Oui, j'ai déjà des études qui sont en train de préparer déjà pour comment améliorer. Et vous êtes en contact avec les autorités? Le ministre, il est où là? On a échangé avec elle. Je crois qu'on peut l'accompagner avec Julien, si elle vient nous rejoindre. Moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais si elle peut venir, il est à côté. Il faut l'accompagner, soit par vous, soit le FPI. Le FPI est là. Oui. Et Julien, le ministre Panouk, il sera avec toi? Non, nous avons toujours passé la ministre. Ah, ok. Il sera là le ministre. Bon, c'est quoi ce que je vois? Connexion, là. J'ai vu quelque chose là qui apparaît, connexion. Donc, vous avez aussi. Il y a l'internet qui se passe grâce à ces microcontrôleurs. C'est connecté via internet et tout. Donc c'est vraiment. C'est magnifique. Hein. C'est moderne, quoi. Il suffit simplement d'intégrer tout ça dans un bon véhicule et on a une voiture congolaise. Pourquoi ne pas concevoir une voiture unique à votre place. Bien sûr, bien sûr. On va vous accompagner, maman. Félicitations pour ce que vous faites en tout cas. Et ça c'est quoi? C'est le tableau de bord. Eh bien, en plus, écran tactile. Non mais c'est génial. Merci. Magnifique. Bravo en tout cas.